Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach et conférencière sans tabou depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Attention, je tiens vraiment à préciser que cette vidéo ne concerne pas toutes les femmes qui sont malades, qui prennent des médicaments ou encore sont en pleine période de ménopause. Ok, c'est parti. Trois raisons qui font qu'une femme a une perte de libido. Je vais vous dire déjà la première chose, c'est que quand on a trop de choses dans la tête, et ben forcément, on n'est pas dans le moment présent, on n'a pas envie de se lâcher. Donc trop de choses dans la tête, c'est comme vous. Dites-vous une chose. Pour ça, on est égaux. Attention, je vais vous en donner deux autres. La dernière, elle risque vraiment de vous faire mal. Mais je me dois de vous le dire, parce que ça existe. Attention, je ne vous dis pas que c'est ça. Vous le savez, vous devez dialoguer avec votre partenaire. Personne ne peut parler à sa place. Pas même moi. Il y en a quatre en fait. La deuxième chose, si elle est déçue par quelque chose, par une attitude, par un comportement, si elle est déçue de quelque chose peut-être qu'elle voulait, qu'elle n'a pas réussi à obtenir, j'en sais rien, mais une femme qui est déçue a une perte de libido aussi, avec vous. La troisième chose, ça c'est délicat à dire, mais bon, ça arrive. Hein. Une femme qui se fait chier dans son couple, elle a vraiment plus envie de faire l'amour. La plupart du temps, elle a vraiment plus envie. C'est vrai. Hein. La quatrième chose, et ça c'est la plus difficile, mais encore une fois, ça existe et moi, je ne suis pas là pour être gentille. Je suis là en toute authenticité et vous dire la vérité. La quatrième chose, si par exemple, votre femme a eu un enfant, alors attention, il est possible que le temps qu'elle remette tout en place, etc., franchement, c'est pas rien une grossesse, ok? Bon, je vais laisser ça de côté. Ça, vous le savez, on n'est pas bêtes, vous êtes des adultes. Je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes vivent ça, la même chose. Il faut savoir qu'il y a certaines femmes, il y en a peu, hein, mais il y en a certaines, eh bien, leur rêve ultime, c'est d'avoir un enfant. Une fois qu'elles ont eu leur enfant, elles n'ont plus aucun désir parce qu'elles n'ont plus envie de créer la vie puisque la vie est là. Et ça, vous devez absolument, c'est pour ça que je vous ai donné la solution avant, dialoguer et communiquer avec votre femme. Il faut que vous appreniez à bien connaître votre femme. Parce qu'il y a certaines, il y en a pour certaines, je vous dis encore une fois, c'est très peu, qui font des enfants et après, elles n'ont qu'un seul but, c'est les enfants. Je ne vous parle pas des femmes qui ont eu une grossesse et qui ont besoin de temps pour se remettre. Pas du tout. Je vous parle d'un autre cas. Ok ? Donc j'espère que ce n'est pas votre cas en tout cas, parce que je sais que c'est compliqué. À un moment donné, il va falloir prendre certaines décisions pour ne pas vous sentir aussi, enfin, autant rejeté et de vivre cette chose, être exclu quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument apprendre à communiquer. Donc, je vous rappelle, comme tout à l'heure, vous pouvez avoir accès à ma conférence privée en cliquant en description sous la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire pour vous aider dans votre vie sentimentale. Et si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.